Voici une grille de 7 par 7 et je vais vous montrer comment est calculé le score. À côté de la grille à droite, vous avez le détail du score avec la liste des mots et leurs valeurs, ainsi que les bonus qui ont été ajoutés. Donc nous allons regarder comment ça se passe. Le premier mot, c'est le mot escarpe, horizontal. Chaque lettre est associée à une valeur. Si la lettre est posée sur une case bleue, la valeur sera modifiée. Si la lettre est posée sur une case verte, c'est le mot qui sera multiplié par 2. Si c'est sur une case rouge, c'est le mot qui sera multiplié par 3. Donc faisons le calcul pour escarpe. 10 points, plus 11, ça fait 21, plus 11, ça fait 32, plus 12, ça fait 44, plus 15, 59, et le 100 qui vient majorer le R, donc 159, plus 12, 171, plus 3, 174. Bon, mettez ça dans un coin de votre tête, et maintenant on regarde les mots qui sont doublés. Donc on va multiplier par 2 parce qu'il y a une case verte ici, multiplier à nouveau par 2, donc 2 fois 2, 4 pour cette case. Ensuite encore multiplier par 2, donc 2 fois 4, 8. Encore multiplier par 2, 2 fois 8, 16. Encore multiplier par 2, 2 fois 16, 32. Donc rappelez-vous, nous avions 174 points en lettres, multiplié par 32. Eh bien, 174 par 32, ne faites pas le calcul, il est fait pour vous ici, 5568. De plus, comme ce mot fait 7 lettres, il a un bonus de 50 points. 50 points, c'est ce qui est donné comme bonus au premier mot de cette lettre. S'il y avait un second mot de cette lettre, le bonus serait plus important, 200 points. Et si même il y avait un troisième mot de cette lettre, le bonus serait de 3000 points. Donc, une fois le premier mot calculé, on calcule le second, ça c'est le tu, donc je vais le calculer avec vous. Donc on fait 1 plus 4 plus 10, donc on est à 15 points, plus 10, 25 points. 25 points multipliés par 2, 50 points. Donc on regarde ici, tu es 50 points. On fait encore 6, 11 points et 2 points, 13 points, multipliés par 2, 26 points. Voilà, vous avez compris, vous continuez jusqu'au bout, mais chaque mot est compté avec ses lettres, on lui ajoute un bonus s'il fait 7 points. 7 lettres, pardon. Ensuite, il y a un bonus qui est donné si le joueur a posé toutes les lettres et tous les jokers, s'il les a mis dans sa solution. Ici, c'est le cas, et donc toutes les lettres posées donnent un bonus de 50 points. Enfin, on regarde le nombre de mots, puisqu'il y a un bonus qui dépend du nombre de mots. Dans le cas présent, il y a un mot, deux mots, trois mots, quatre mots, il m'en manque un, c'est celui-ci, cinq mots. 5 mots, donc pour calculer le bonus au nombre de mots, en fait on élève au carré le nombre de mots, donc 5 fois 5, 25, et on double, ce qui donne un bonus de 50 points. Au total, 6218 points. Voilà comment se calcule le score. C'est fait pour vous par votre machine, et à vous maintenant de l'améliorer. Merci.